L'album Have a Good Time est une intensité de vélocité, une rage de tapage, philosophie comprise par tous du genre, sont en tabarnak, ils décrissent tout, soutien, ça déplace, ça décrasse, ça décrisse, ça bûche en crisse. C'est clair, c'est que ça, c'est québécois pour vous autres, ça? All right. To Be a Real Terrorist a été récemment édité par Kelly Ricard à l'ère même du terrorisme. Ça, il était 20 ans d'avance. Vous allez voir ce soir que Soothsayer sont pas 20 ans en retard. Ils sont carrément dans notre ligne du temps. Ils sont à jour. Ils sont pas démodés. Ils sont à l'avant-garde. Ils bûchent. Ils vont faire trasher parce que ça, c'est des vrais. C'est des authentiques de l'ancienne époque qui viennent reconquérir à leur façon la nouvelle époque, la nouvelle génération. Soothsayer, tout le monde! We'll be right back.
s'appelle Foodsayer. La plupart de vous autres, vous connaissez pas. On est plein de taux vieux, on est de l'âge avant de reconnaître, à peu près. On poursuit avec une pièce sur le dos de l'album Have a Good Time, paru en 88-89. Je ne me rappelle même plus. Ça s'appelle To Buzz Fly! Thank you.
Prochaine pièce. Hey, ça va vite un petit peu, là. C'est à... Oui? C'est la seule pièce qu'on a faite en français. Ça se trouve sur l'album aussi. Et c'est pour mon ami Richard et toutes vous autres, bien sûr. Ça s'appelle La Loi 101! Pursue Eric the Free!
on s'en va bientôt. Restez ici. Il reste encore 3 bandes, 3 crises de bons bandes. Bougez pas. Merci encore. C'est Johnny. Go, Johnny! Johnny! Non, il manque les guitaristes.